Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé mon coloriage de Maria Troll du livre Luna aujourd'hui. Voilà, donc la vidéo est plus courte puisqu'il ne restait pas grand chose à terminer. J'ai fini le feuillage, la robe et j'ai fait un petit fond. Donc ça y est, j'ai choisi de faire un fond en aquarelle, donc tout simple. J'ai fait juste un fond de deux couleurs avec les aquarelles Action. Donc vous verrez, je vous ai mis en barre d'infos les noms des crayons et des aquarelles dont je me suis servie. Bon, j'aime beaucoup le résultat. Donc comme je vous ai dit, là c'est un papier qui est super de super bonne qualité. Donc avec l'aquarelle, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de souci, donc voilà. Bon, j'ai d'abord essayé un petit peu, puis ça n'a pas bougé, donc j'ai continué. Il n'y a pas eu de problème. Les pages sont assez épaisses pour que l'on puisse faire même tout un dessin en aquarelle sans problème. J'en ferai peut-être un prochain comme ça en aquarelle, on verra une prochaine fois. Alors, j'espère que cette fin de coloriage va vous plaire. Et le résultat vous plaira également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en penserez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. je suis toujours essoufflée à monter mon petit escalier, mais là je vais recommencer un autre coloriage, mais là il ne sera pas d'un bouquin, c'est un coloriage que j'aurai imprimé. Bon, je vous expliquerai dans une autre vidéo pour changer un peu, et puis après on verra ce qu'on fera. De toute façon, il y a toujours le diamond painting, le coloriage, et puis après je verrai. Là je vais vous laisser visionner donc cette fin de coloriage. Je vais vous faire des gros bisous à tous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.